Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur APB Hollow Dead, qui est un jeu qui ressemble, on va dire, un peu à Need for Speed, Revolves ou Hot Pursuit, un truc dans ce genre là, et un peu aussi comment on peut dire, un truc du style GTA. En fait, c'est un jeu. Donc, je voulais vous présenter un peu ce jeu qui a un bon potentiel. Mais bon, vu que j'ai pas un bon ordinateur ni une bonne connexion internet, vu que c'est un free to play. Mais en tout cas, maintenant c'est un free to play. À l'époque, c'était un jeu payant, mais qui marchait pas, donc il est passé en free to play. Donc là on va se laisser parce que les temps de chargement sur ce jeu sont énormes. Donc je reviens tout à l'heure quand sera fini de charger. A tout de suite. Bon, reviens tout de suite parce que en fait il n'y a pas de temps de chargement pour l'instant. Parce que je n'ai pas choisi le serveur. C'est-à-dire qu'en fait il y a plusieurs serveurs qui sont assez sympathiques. En fait, c'est pas vraiment des serveurs, ce sont plutôt des quartiers. Donc on a le quartier financier, donc mission district. Après on a le open conflit, qui sont tous les deux fermés, d'après ce que je vois. Et on a le waterfront, qui est un autre quartier pour faire des missions. Et on a aussi un autre quartier, qui sert, en fait, qui est très utile, c'est le social district, qui est en gros là où on va aller chercher des vêtements pour personnaliser ses vêtements, acheter une voiture, personnaliser la voiture. Je crois qu'aussi on peut acheter des armes, j'en suis pas sûr, mais il me semble que oui. Et donc voilà, on peut choisir son quartier, on peut choisir pas mal de choses. Donc voilà. Donc franchement je le trouve super bien ce jeu, bon pas vraiment adapté à mon ordinateur, mais bon. Donc là ça va charger et on se retrouvera tout à l'heure. Donc à plus, ciao. Salut les amis, donc on se retrouve dans la map de APB Reloaded. Là où on peut repartir dans... On commence la partie. Donc je suis à la manette Xbox 360. Je joue avec une manette de Xbox 360 qui se configure, je trouve, pas très bien au jeu. Elle pourrait être mieux configurée parce que en gros le bouton habituel de analogique, en gros quand on est comme ça. J'ai un repas de midi qui a du mal à sortir, qui a du mal à passer. Et je sais pas, en fait, c'est que ça bug beaucoup. Là, on en est où? Ouais. Et de l'orage dans l'air. Donc voilà, on est sorti. Voilà, il y a un peu de bug, mais sinon parce qu'en gros voilà, là j'ai tous les sticks analogiques qui fonctionnent. Ben celui du gauche il fait pareil dans la voiture mais un peu moins bien. Bon, le bon, on va prendre la camionnette. Ça bug pas mal, pourtant il y a moins de monde. Donc j'ai réussi à configurer la manette. Ah, oh, par contre, j'en ai... Donc voilà, hop, on va aller là. Regardez, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ce qui me fait chier, c'est qu'en fait, en gros, je suis obligé d'utiliser les touches X et B, donc j'ai pas l'habitude de m'en servir pour rouler.
Et voilà, hop, on descend. Et en fait, on aurait dû... Attendez, je vais reculer un peu. Et donc voilà, après on va dans le coffre. On est où du coffre. Et hop, on va... On met tout dans le coffre, tout ce qu'on peut y mettre. S'il y a beaucoup de choses ou pas. Je sais pas, est-ce qu'il reste... Et donc c'est un peu comme dans GTA ou... ah, il en reste 2-3 trucs encore. Donc comme vous voyez, des trucs au sol pour les ramasser, donc pour je sais pas comment faut faire. Oh, il y a pas mal de trucs quand même. Il y a pas mal de trucs. Bon, donc après, si on veut s'en débarrasser de tout ça, on doit suivre le... la valise là que vous avez à 36 mètres. Par contre, ce qui m'énerve, c'est vraiment ce truc analogique qui me casse les pieds. Parce que le stick analogique, il est impossible à configurer quand on est en voiture. Par contre, il est configurable quand on est en... à pied, en gros. Parce que quand on est à pied, comme vous voyez peut-être pas parce que vous voyez pas ma manette. Mais le stick analogique est plus réceptif, on va dire, que... attendez, je crois que c'était là. On va redescendre, hop. Donc en fait, ce jeu, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un mélange en fait entre GTA et Need for Speed... Rivals. Ou merde, ouais, je suis con. J'ai oublié de prendre ce que j'avais dans mon camion, parce que si j'amène pas le camion, ça sert à rien. Donc je vais aller chercher ce que j'avais dans mon camion. Là, s'il est encore là, parce que des fois il disparaît. Non, il est encore là, c'est bon. Donc pour récupérer ce qu'on a dans le camion, c'est tout simple. C'est aussi simple que comme on y a mis. C'est Y. Je sais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est peut-être pas Y que je vous ai dit tout à l'heure, mais vous m'avez compris. Je sais plus si je crois que c'est F sur le clavier. Mais avec la manette Xbox, ce jeu est bien optimisé quand on est à pied, comme là, comme je suis là. Par contre, comme en voiture, c'est un peu plus délicat. C'est pour ça que je préfère conduire avec avec le clavier. C'est pour ça que là je suis en train de tester le mode de clavier et le mode normal. Et donc voilà. Donc là on est en train. En gros il y a d'autres gens là, je les connais pas du tout. Pas du tout du tout. Je sais pas du tout comment faire les tags non plus, même si ça m'intéresse pas plus que ça. Donc voilà, après, donc on a, il y a plusieurs voitures en stock, hein. Donc chaque voiture a différentes caractéristiques, un peu comme dans tous les jeux de voitures ou de GTA par exemple. Tout et pareil, bien toutes les voitures sont pas pareilles, mais c'est à peu près pareil qu'un GTA ou un Need for Speed, mais c'est moins adapté pour en gros ce jeu là est plutôt bien parce que dans le fond il est un peu adapté pour il est plutôt bien adapté quand même pour les manettes, mais pas suffisamment mou. Et l'avantage c'est que par exemple si on a la voiture que j'ai voulu là, si je veux aussi je peux aller la revendre. Et il me semble que c'est un peu comme dans GTA 5, parce qu'il me semble que dans GTA 5 on peut aller revendre les voitures qu'on a piqué.
Unity, si je me trompe pas, hein, dites-moi dans les commentaires si c'est ça. Parce que j'ai pas beaucoup joué à GTA 5, j'ai à peine joué un quart d'heure, une demi-heure. Mais c'est à peu près le même style. Mais il me semble que dans GTA 5, plus je me trompe pas, rien. Là, je pense toujours au stick, mais en fait, j'y pense. En fait, le truc, c'est que c'est plus compliqué de rouler sans stick. Voilà, hop, on recule un peu. Hop, on coule. Hop, on descend de la boîte gauche. Donc mon personnage ne me ressemble pas du tout parce que j'ai pas réussi, j'ai pas cherché trop non plus à faire pour qu'il me ressemble. Hein. Donc voilà, après dès qu'on a un truc comme ça, on le met dans la camionnette. Hop, allez, reviens là, allez, hop, retourne là-bas, va chercher le tartache qui. Hop, allez, on retourne vers le coffre de la voiture. Et on va... Donc, je vais aller donner ça au gars, à la fille, ou ouais, c'est souvent des filles comme ça, qui s'occupe de ça derrière le tour. Les voitures, c'est vraiment très personnalisable, c'est super joli. Et bien, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut y faire. C'est sympa. Par contre, c'est vrai que quand on n'est pas en premium ou qu'on n'a pas acheté de, ben, je pense que c'est que premium, mais on n'a pas le droit en gros de faire beaucoup de choses, mais le jeu en premium il vaut beaucoup d'argent, même beaucoup d'argent. Il me semble que c'est pas loin de 100€ si je ne me trompe pas. Il me semble que j'ai vu un truc comme ça. Si on peut écraser les gens comme dans les GTA. Non merde, je suis con. Putain, moi je pense plus à certaines choses qu'il faut bien que je pense. Donc voilà, on va aller dans le souterrain ici pour aller revendre la marchandise qu'on a ramenée. Donc voilà, on va descendre. On s'en fout, hein, on peut faire des accidents. C'est bon, les voitures au bout d'un moment elles ont tellement de dégâts que elles peuvent plus rien faire, mais bon. On va dire que c'est pas très grave. Donc il faut aller là où on est. En gros, c'est la même salle où on était tout à l'heure. Et c'est plutôt sympathique comme jeu. On sait que c'est un peu plus intéressant qu'avant. Parce qu'avant, ce jeu était payant complètement. Putain, mais par contre, c'est chiant parce que ça bug quand il y a beaucoup de monde. Hop, voilà. Et après, par contre, en gros, on peut pas se faire tuer par les autres. C'est le truc qui est un peu dommage. Enfin, un peu dommage, dans le fond, c'est assez sympathique. Non, en fait, il y a un moyen de se faire zigouiller par les autres, c'est Qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Je vais prendre piquer ma voiture, quand même. Bon, puis, je m'en fous, mais... Donc, voilà. Hop. Donc vous avez eu un peu le système. Si, parce qu'en gros l'argent est dispersé en deux parties. J'ai une partie de l'argent qui peut être dispersé en gros l'argent que je viens de recevoir de mes cambriolages. Se mettre dans la partie que vous voyez en haut à gauche, en gros avec le petit sac de billets, c'est en fait c'est de l'argent sale, hein, qui est pas propre, hein, qui n'a pas été blanchi, on va dire. Et pour aller blanchir l'argent, faut aller
au Money Laundry. Laundry ou Laundry, je sais pas trop comment ça se dit. Pour aller blanchir l'argent. Et après, donc tout l'argent que vous aurez en haut à gauche passera en haut à droite, là où j'ai 9730, pour que vous puissiez en fait avoir le maximum d'argent possible. Et donc voilà. Et franchement, ce jeu est plutôt basique, on va dire. C'est sympathique et basique, on peut faire pas mal de choses. Il est assez voilà. Après on peut faire pas mal de choses avec. On peut aller là, en gros j'essaie d'aller vous montrer comment on peut aller de l'autre côté. Allez, monte. Ok. Donc voilà, après ce jeu, il est assez bon, je trouve, pour ce que c'est comme jeu. Je veux dire, je suis pas très exigeant sur les jeux. Surtout que là, en plus, mon ordinateur a quand même un peu de mal à faire tourner. Mais bon, je le comprends parce que c'est plutôt un jeu qui est plutôt bien, même graphiquement, il est plutôt joli. Tu fais quoi, toi? Non, je n'ai pas débloqué Gungo. Après, on peut débloquer pas mal de choses sur ce jeu. C'est ça qui est plutôt intéressant aussi. On peut débloquer des voitures, on peut débloquer des personnages, des habits, des voitures, des armes. Pas mal de choses. Bon, moi, le jeu, je vous dis, je ne l'aime pas bien parce que... Tiens, en fait, c'est pas que je l'aime pas bien. Moi,
voyez un peu sur la carte, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on avait sur l'autre jeu, enfin, sur l'autre map plutôt. Donc c'est beaucoup plus réduit et il y aura beaucoup plus de lag, je pense. Pardon. Là, je suis claqué. Donc là, on a... là c'est
ça n'a rien à voir avec le jeu. C'est à propos de Farming Simulator 2015. Certains ont déjà entendu parler. En gros, le jeu, c'est plutôt bizarre parce qu'en gros, le jeu est sorti sur toutes les plateformes. Non, qu'est-ce que je dis comme connerie, moi. Il est sorti en gros sur Steam, sur la plupart des matériels, sur la plupart des sites, mais je suis allé voir sur le site de Farming Simulator, et ben il est toujours pas sorti, et je trouve ça un peu bizarre quand même, que Farming Simulator soit sorti sur tous les sites de téléchargement de jeux gratuits d'un payant. Sur toutes les plateformes sauf sur la plateforme officielle, donc je trouve ça un peu bizarre que et c'est un peu bizarre, mais bon, après on peut choisir une voiture, même si en gros ce qu'il faut pour faire le maximum, donc je fais avec ce que j'ai et ce que je peux avoir. Voilà, c'est pas quand même à dire si je n'ai pas tout ça, mais
identique aux voitures. Et donc voilà, après aussi le truc sympathique, c'est qu'on a un lecteur un peu comme dans Euro Truck par exemple, qui est assez sympathique. Et comme vous l'entendez là, parce que ça c'est de la lecture.